Je sais, même n'êtes rien, je vous connais. J'enlève mes chaussures, voilà. Ouais, vous voyez pas qu'on a un problème, là? Vous avez combien de paires de chaussures? Bon, attendez, pas tellement, donc... de travail, de ville, pour sortir, basket... Oui, alors je vous arrête tout de suite, on est au cœur du problème. C'est qu'on a trop des chaussures. Il va falloir les ranger. Ah ouais, je vois. Vous, vous avez déjà une idée derrière la tête. Oui, c'est pas vous, allez, suivez-moi. Vos chaussures... Ah, bon, pardon, attendez, hop. Vous voyez ce tuyau qui traîne dans le garage? Ah oui, je vois. Eh bien, il me semble qu'il y a moyen de le recycler en étagère à chaussures. Ah, vous voulez le couper, le peindre et l'assembler, c'est ça? Précisément. Mais c'est une idée géniale, allez, on s'y met. Allez. Alors, mon petit 46 fait 33, on pourrait faire 30. Oui, c'est pas mal, comme ça, ça dépasse pas trop, parfait. Bon, alors comment on fait? On trace tout? C'est ça, et puis on découpe. Ok. Vous êtes en forme, vous, hein? Pourquoi? Bah, je trace tout. Je pensais pas vraiment qu'on allait pratiquer comme ça, mais... Bah, comme ça, on a... C'est pas comme ça? Faites de votre côté et puis je vais faire du mien. Hein? Vous voyez cette petite sangle? Oui. Eh bien, on va la passer autour du tuyau. Pour faire un garrot? Pas exactement. On la serre. Oui. Et puis on la reporte sur les quatre traits. Ah, et puis comme ça, on n'aura plus qu'à tracer. Exactement. Un petit truc de Robert. Voilà, j'ai fini. Eh ben, il y en a 9 en tout. Ça suffira? Ah bah oui, regardez. On peut déjà jouer, hein. Comme ça. Pendant que vous dépoussiérez, je vous ai préparé 2 bleus, 1 vert, 1 lavande. Qu'est-ce que je vous sers? Eh ben, un petit lavande. Allez, c'est parti pour la lavande. Je vous montre le premier, vous faites la suite. Allez, vendu. Alors, Robert m'a dit, pour une peinture réussie, on se place à 20 cm de l'objet. On évite d'insister toujours au même endroit pour éviter les coulées. Oui, c'est ça. Voilà, Robert, j'ai pris une décision hyper démocratique et vachement unilatérale. Ce sera comme ça. Ah, oui, je vois. Bon, il faut qu'elle est fixée, quoi. Oui, et là, j'avoue que j'ai besoin de votre aide. Eh ben, je vous montre. Regardez, c'est pas compliqué. Elle a une drôle de tête, là, de percer. Eh bien, ça s'appelle un report d'angle. Ça permet de percer dans les endroits un peu exigus. Et ça s'appelle une rifteuse. Et ça a un rivet, ça permet d'assembler. Il suffit juste de presser, hein. Oui. Ah, je suis presque. Ah ouais. C'est quand même super pratique, hein? Ouais, c'est pratique, mais on a déjà plus de place et il y a encore des chaussures. Et c'est l'avantage du système, c'est qu'on peut le multiplier à souhait, vous voyez? Ah ben, je crois qu'on a encore du travail. À la semaine prochaine. Pour d'autres trucs, c'est pas pour ça qu'il faut acheter autant de chaussures que vous voulez. Hein. On en rediscutera. De toute façon, il n'y a plus de tweet, alors voilà, c'est comme ça.